Olá, então vamos começar aqui. Vamos dar sequência ao conjunto de webinar da série Intervenção e Transformação nas Organizações, que vem sendo realizado pelo Clube da Economia da Funcionalidade e da Cooperação do Rio de Janeiro, em parceria com o Programa de Engenharia de Produção da COP-UFRJ e com o Departamento de Engenharia de Produção da UFMG. Estou aqui com minha colega Amanda, e a gente vai conversar hoje com o Julián da Costa, que é um empresário que já há algum tempo mudou, transformou seu modelo econômico da imprimeria que ele tem, no sentido, na direção da economia da funcionalidade da cooperação. Ele vai nos contar como foi essa transformação e vai fazer primeiro uma apresentação da empresa dele e depois nós faremos algumas questões, tá bom? Julián, c'est un plaisir de te recevoir ici, de notre webinaire sur la transformation des organisations. Et l'histoire de Flexink, c'est une histoire très intéressante pour nous. Et voilà. Ok, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aussi aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous expliquer comment j'en suis arrivé à la création de Flexink, comment j'ai pris le chemin de l'économie de la fonctionnalité, pourquoi, et après, je propose qu'on échange et qu'on discute ensemble sur les questions qui vous viennent à l'esprit. Du coup, je suis Julián da Costa, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants et ça fait 15 ans que je travaille dans l'imprimerie. 15, 16, 17 ans maintenant même que je travaille dans l'imprimerie. J'ai commencé à travailler dans l'imprimerie familiale qui était l'imprimerie de mon père. C'était une imprimerie qui avait un modèle économique traditionnel, c'est-à-dire qu'en fait, on produisait notamment des étiquettes et des flyers en grosse quantité. Et il y a un principe simple, c'est que on avait des investissements machines et il fallait être capable de les couvrir pour pouvoir payer les salariés, nous payer nous et payer la structure. Pour ça, on utilisait, le modèle classique d'imprimerie, c'est de dire, en fait, on produit pour un client le plus grande quantité possible, de manière à ce que, en fait, on réduise les coûts unitaires pour le client et nous, on utilise au mieux la production machine. Et donc, j'ai été responsable commercial et j'ai vendu pendant très longtemps des quantités de documents assez importantes. Pour vous donner une idée, la commande moyenne que je passais, c'était entre 500 000 et 1 million de flyers A5. Pour être bien précis, on mettait à peu près 8 heures à les produire. On était quand même sur des volumes assez importants. Je livrais ça essentiellement sur la région parisienne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, au fur et à mesure du temps, dans l'imprimerie, eh bien, on commençait à vendre de plus en plus, à produire de plus en plus, et mais malgré tout, à rencontrer des difficultés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une pression dans l'industrie, c'est la pression qu'on rencontre partout, il y a la pression sur les prix. C'est-à-dire qu'en fait, la concurrence se jouait beaucoup. Certains de nos clients partaient imprimer à l'étranger. Donc, chez nous, c'était soit en Italie, soit en Europe de l'Est, du côté de l'Estonie, par exemple. Et en fait, il fallait qu'en tant que responsable commercial, je maintienne mes ventes. Et donc, je faisais tout pour garder mes clients. Et parfois, j'étais obligé de trouver des solutions, en fait, pour réduire le prix et l'écart qu'il y avait avec les concurrents. Pour ça, j'avais plusieurs astuces. La première, c'était d'essayer d'en vendre beaucoup plus à mon client. C'est-à-dire qu'un client qui souhaitait acheter 500 000 exemplaires, si j'arrivais à lui en vendre 1 million, voire 1 million et demi, et moi, je m'assurais une production que j'allais pouvoir industrialiser plus, et puis j'engageais mon client sur une période un peu plus longue, mais du coup, je lui faisais des coûts un peu plus réduits. Et en fait, on a fait ça pendant longtemps, ça marchait plutôt bien. C'est-à-dire qu'on arrivait à garder à peu près nos parts de marché en vendant toujours beaucoup plus,
et en essayant de produire plus vite. En fait, on met le doigt dans un engrenage qui est devenu rapidement, en quelques années, invivable. C'est-à-dire que on commence, pour moi, j'avais toujours la nécessité de vendre plus pour pouvoir réussir à tenir mes marges. Mais en fait, quand je vendais plus, j'étais obligé du coup de demander à mes équipes de produire plus ou plus vite. C'est-à-dire que comme les marges deviennent de plus en plus serrées, on est obligé en fait de mettre la pression sur les équipes. Donc, on met la pression sur les équipes, c'est comment ça fonctionne, c'est de dire, bah, finalement, ce que vous avez produit l'année dernière en 8 heures, eh bien, il va falloir le produire en 7 heures. Et en fait, comme on essaye d'industrialiser au maximum, en essayant, en fait, tout ça pour essayer de préserver des marges. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on est rentré dans ce modèle et petit à petit, il nous fallait toujours produire plus et toujours plus vite. Et donc, ce qui se passait, c'est que malgré tout, nos marges diminuaient quand même. C'est-à-dire que la pression sur les prix est tellement forte par les clients et par la concurrence que finalement, on était toujours obligé de faire plus. La pression sur les marges est devenue tellement forte qu'on a été obligé, en fait, de licencier, de faire un premier train de licenciement, puisque on avait trop de monde à l'imprimerie, les périodes étaient difficiles. Et donc, en fait, on a réussi à maintenir une certaine activité, mais en augmentant, en fait, la pression sur les salariés qui étaient là. Et c'est-à-dire que nous, on se mettait nous-mêmes, en tant que dirigeants, une pression supplémentaire, mais on mettait la pression sur les salariés. Et puis, de fil en aiguille, ça a duré comme ça pendant 3, 4, 5 ans, jusqu'à ce que notre plus gros client dépose le bilan, c'est-à-dire qu'il arrête sa société. Donc on s'est retrouvé, nous, avec 35% de chiffre d'affaires en moins. Et donc, pour ça, on a été obligé, moi, en tant que responsable commercial, j'ai été obligé de retrouver très, très vite des nouveaux marchés. Et pour retrouver des nouveaux marchés très vite, j'ai été obligé d'attaquer des gros clients et donc du coup d'être agressif en prix. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à sauver l'imprimerie, mais en fait, tout en mettant toujours plus de pression sur les gars, il a fallu qu'ils travaillent plus vite de nuit, à moins nombreux et en plus régulièrement travailler le samedi et le dimanche. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des conditions de travail qui se dégradaient. On avait du mal à préserver les marges. Et en fait, on s'enfonçait petit à petit dans un système vraiment complexe. À ce moment-là, mon père avait 64 ans et il commençait à nous parler de nous vendre l'entreprise à moi et à mes frères et sœurs. Et quand même, en réfléchissant, on se disait la situation est difficile, c'est difficile de garder des marges. On voit bien qu'on est obligé de travailler beaucoup. Pas sûr qu'on avait envie de reprendre en fait. Et à ce moment-là, je me suis questionné l'utilité ou pas de continuer l'imprimerie en fait traditionnelle. Et puis il y a une question qui est intervenue, c'est de dire, eh ben oui, effectivement, j'ai pas envie de le faire, mais c'est quand même dommage de tout laisser tomber. Il y a une équipe qui était là, il y avait un savoir-faire. Et un métier qui, malgré tout, que j'aimais bien faire, que mon frère aimait bien faire, imprimeur, c'est un métier qui nous convient bien. On voulait juste plus le faire dans les mêmes conditions. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, les questions que tu te poses, apparemment, il y a un club à Lille, c'est le club Noé, où ils sont en train de se poser les mêmes questions. Va voir. Et puis, intéresse-toi à ça. Effectivement, je suis rentré, j'ai rencontré ces gens-là. Je suis donc à ce moment-là rentré dans le parcours EFC. Donc, moi, j'étais à l'époque donc responsable commercial de l'imprimerie de mon père. Et on a commencé à faire le tour de ce qu'était un modèle économique. Et notamment, il y a à un moment donné un point sur lequel on entre, qui est de dire quel est l'usage. Questionnez-vous sur l'usage, l'utilité réelle de ce que vous produisez. Moi, j'ai attrapé cette question-là. Elle m'a fortement questionné. Et avec les chercheurs, j'ai décidé de creuser ce sujet, c'est de dire à quoi ça sert du document imprimé. Donc, j'ai questionné mes clients et donc je leur ai demandé, ce que je vous ai vendu l'année dernière, qu'est-ce que vous en avez fait?
ce que je t'ai vendu il y a 2 ans ou comment est-ce que tu t'en es servi, qu'est-ce que c'est devenu, comment tu as, c'est quoi la performance de ce que je t'ai livré. Et pour quasiment la totalité de mes clients, ils m'ont répondu, écoute, ce que tu nous as vendu, on en a encore beaucoup dans des cartons. Dans le meilleur des cas, c'était dans des cartons, dans les étagères, ou alors on les a jetés. J'ai eu beaucoup de clients qui m'ont dit ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, finalement, je leur en vendais trop. Et donc, je produisais des documents qui avaient une utilité, mais vraiment, ça ne sert à rien. C'était pour aller à la poubelle. Et donc, il y a quelque chose qui m'a fait tilt assez vite, c'est de dire en fait, donc moi j'investis dans des machines qui vont très très vite, je mets la pression sur mes équipes pour qu'ils produisent un maximum, et tout ça pourquoi ? Finalement pour que tout ce que j'ai produit en masse finisse au mieux dans les placards, au pire dans les poubelles. Il y a tellement de clients qui ne savaient pas ce qui était devenu les documents que c'était assez inquiétant. Et donc, je me suis dit, peut-être que l'imprimerie qui m'intéresse de faire, c'est une imprimerie qui va prendre en compte ça, qui va dire, on va essayer de ne pas gâcher, de gâcher le moins possible de papier, de gâcher le moins possible de matière. Donc, pour vous qui êtes au Brésil, vous avez, à mon avis, plus conscience que nous de l'importance qu'a une forêt sur l'environnement. Et donc, on s'est dit, mais on va proposer à nos clients, en fait, ça, c'est-à-dire d'imprimer moins. Et on est rentré dans la question de l'économie de la fonctionnalité en disant nous on veut être l'imprimeur qui propose à ses clients de gâcher zéro, de ne rien gâcher, et on est parti là-dedans. Et donc on a recréé un modèle économique en disant voilà ce qu'on propose à nos clients, c'est de dire sur le modèle traditionnel, vous achetez 1000 flyers par exemple à votre imprimeur. Lui, votre imprimeur va vous les imprimer et vous les livrer. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est de dire, vous nous commandez 1000, on va vous les mettre à disposition. Donc, au départ, c'était par des crédits d'impression. Vous avez donc la possibilité d'imprimer 1000 exemplaires chez nous, mais vous avez le droit de le faire au fur et à mesure. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, quand vous n'en avez plus besoin, on va arrêter le projet. Et vous n'aurez peut-être pas consommé les 1000 exemplaires. Et sur les 1000 exemplaires, il y a peut-être 200 qui n'auront pas été consommés. À partir de ce moment-là, ce que je propose à mes clients, c'est de dire les 200 qui n'ont pas été consommés, moi, je ne les ai pas imprimés d'avance. Et donc, c'est ce qui habituellement va à la poubelle. Et ce que je veux proposer, c'est de dire on partage la valeur de ces 200 exemplaires. Et donc, ça veut dire que je rembourse 100 exemplaires à mon client et moi, je prends 100 exemplaires pour moi, l'équivalent en euros de 100 exemplaires. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est ce que j'ai fait économiser à mon client. Donc, je me rémunère sur les économies que je fais faire à mes clients. Et à partir de là, en fait, on arrive sur un modèle où, finalement, chez Flexink, moins j'imprime de documents et plus je suis rentable, puisque mes marges deviennent plus importantes, parce que j'ai en fait il y a des documents que j'ai pas imprimés, donc j'ai pas abîmé mes machines, j'ai pas utilisé de matière, mais je suis quand même rémunéré. Et voilà comment a commencé Flexink. Et donc on a mis cette idée là en place et petit à petit elle s'est avérée efficace pour certains de nos clients, ça marche très bien pour certains clients. Et beaucoup moins pour d'autres. Certains clients sur lesquels, finalement, cette solution qu'on avait imaginée comme étant la solution miracle, elle fonctionne un peu moins. Et donc, maintenant, en fait, on est capable d'imaginer des dispositifs qui sont différents. C'est pas toujours des crédits d'impression. On fonctionne pas toujours avec le remboursement. Mais par contre, on prend toujours en charge cette question de dire, nous, Flexink, on est l'imprimeur qui va vous aider à imprimer mieux. En fait, parfois, c'est imprimer moins, mais parfois c'est aussi garder les mêmes volumes de documents, mais en fait les mettre à jour plus souvent ou les adapter un peu plus au terrain. Enfin, il y a plusieurs solutions et donc on propose à notre client maintenant de rentrer dans ce qu'on appelle des projets d'impression et on crée des dispositifs personnalisés pour chacun de nos clients.
en fonction de sa taille et en fonction de ce qu'on est capable de mettre en place ou non. Et donc en fait, on invente quasi pour chacun de nos clients, on invente des outils qui va permettre d'avoir deux objectifs, réduire le gâchis de documents et augmenter la valeur de ce qui est en termes de communication de ce qui est imprimé. Je pense avoir fait à peu près le tour de mon histoire, du moins de tout, en le temps qu'on s'est accordé, Francisco. Microfone, Chico. Merci, Julien. Dans quelle année tu as fait ce changement de s'intéresser pour l'usage des documents imprimés et passer pour partager ce que tu gagnais? Quero saber quando que ele fez esse movimento, que ano que foi esse movimento, que iniciou esse movimento da venda de volumes menores, que se o cliente não usasse, ele dividia em crédito de impressão o que ele não estava sendo usado. Quelle année, première chose? Então, qual ano? Quando foi isso e quelle difficulté tu as rencontré? Deuxième, qual a dificuldade que ele encontrou ao longo do tempo fazendo isso? E para fazer isso, normalmente na economia da funcionalidade da cooperação, a gente passa a ter que agir e se interessar na constituição de parcerias com outras organizações. Eu queria saber como é que ele se estruturou para poder fazer isso. Julien, quelle année, quelle difficulté pour faire ça, normalement, on doit s'intéresser, pas seulement pour notre entreprise, mais de constituer des coopérations avec d'autres. Donc, je voudrais aussi connaître ton écosystème et des gens qui font partie de ça. Ok, c'est vrai que j'ai pas parlé de la date. En fait, j'ai commencé alors je sais pas dire l'année, mais il y a 6 ans, 7 ans, je pense maintenant. 7 ans. Ça m'a pris entre le moment où j'ai commencé à me poser les premières questions. Le moment où j'ai fait le parcours, où j'ai eu la première intuition et ensuite la première mise en œuvre, il y a eu 3 ans. Il s'est passé 3 ans réellement de réflexion, de test, parce qu'en fait, c'est pas comme si ça venait d'un coup. Petit à petit, en fait, j'ai testé avec les clients, j'ai changé, je disais, tiens, si je faisais ça, est-ce que tu es d'accord pour commencer? Donc ça a pris 3 ans. Et puis ensuite, maintenant, ça fait 4 ans que Flexing est créé. Donc ensuite, on est rentré vraiment dedans en disant, tiens, ça y est, on commence à vendre la solution de Flexing, à vendre des crédits. Donc voilà, ça a duré, c'est un temps long. En fait, c'est petit à petit, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Il faut juste garder, on a gardé le cap de dire, on voulait absolument tester un nouveau modèle économique. Ça, c'est la première chose. Quelles difficultés on a rencontrées? Et on en a rencontré beaucoup. la première chose qui change, en fait, principalement dans un modèle économique, économie de la fonctionnalité, c'est que il n'y a pas de solution magique qui va convenir à tous les clients. Et ça, nous, on a mis au moins 2 ans à s'en rendre compte. Parce qu'en fait, on avait une solution qu'on appelait les crédits d'impression et elle nous semblait répondre à tout. C'est-à-dire que c'est un outil qui intellectuellement fonctionne bien. C'est-à-dire que si on est en face-à-face, en interview, qu'il faut que j'explique comment on va se servir des crédits pour résoudre tous les problèmes de nos clients, je suis capable de le faire.
ça marche bien, c'est-à-dire intellectuellement, c'est une idée qui fonctionne. Sur le terrain, c'était beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que la lecture qu'en faisaient les clients, les difficultés que ça posait, c'était assez compliqué. Puisque finalement, on avait un outil qui était tellement efficace d'un point de vue théorique qu'il était plus ou moins capable, on était plus ou moins capable de tout faire avec. Mais du coup, j'arrivais pas à les vendre, en fait, finalement. C'était vraiment très compliqué. Il fallait toujours, à un moment donné, j'avais l'impression de vendre un peu au hasard, finalement. Et donc, on a une chose qui change dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est que finalement, il faut accepter que la solution, elle doit être ajustée à chacune des ventes. Il n'y a pas de solution, on ne pourrait pas imaginer par avance résoudre tous les problèmes. Et en fait, il y a une raison simple, c'est que quand il y a coopération, le client résout souvent une partie de ses problèmes lui-même. Et donc, à nous de nous adapter à ça et de dire, ben, il faut toujours imaginer des dispositifs. Alors, on a des outils sur lesquels on se base. C'est-à-dire que le crédit d'impression, je m'en sers encore, mais pas tout le temps. Et j'ai créé des dispositifs qui me permettent d'accompagner mes clients, en fait. Et donc, ça m'a pris du temps. Parce qu'il faut s'imaginer que finalement, je suis passé d'un métier d'imprimeur que je maîtrisais très bien à celui que j'appelle accompagnateur de projet d'impression. C'est-à-dire, je me présente comme étant effectivement imprimeur, mais mon métier principal, c'est de réduire le gâchis chez mes clients. Et c'est un peu différent du métier d'imprimeur. Je mobilise mes compétences et puis l'atelier de production, oui, mais je fais aussi autre chose. Et donc, cette partie accompagnement, cette partie dispositif, eh bien, au départ, on a du mal à l'appréhender, finalement. Je me posais même des questions de savoir est-ce que je vais être capable de finalement tenir la promesse chez mes clients. En fait, on y arrive assez bien. Et donc, ça amène facilement le lien sur la troisième question, qui est quel écosystème on a mis en place. Bien, en fait, souvent, quand je questionnais la question de l'utilité des documents imprimés, j'étais confronté à plusieurs problèmes. Le problème de dire, eh bien, il y a souvent des agences de communication qui ont travaillé sur des outils de communication. Et quand le client arrivait chez moi, il venait de passer des fois des semaines avec son agence pour lui dire, pour imaginer le plus beau catalogue. Et moi, en un quart d'heure, je lui disais, bah oui, mais ton catalogue, il est peut-être beau, mais dans 10 jours ou 15 jours, peut-être dans un mois, il sera plus bon. Il sera peut-être plus à jour. Et ça, les clients avaient du mal à l'entendre. Et moi, je pouvais comprendre aussi. Les agences n'aimaient pas non plus, parce que finalement, elles venaient de terminer, elles venaient de livrer leurs clients. Et quand le client arrivait chez moi, j'étais en train de remettre en cause le travail. Et en fait, il a fallu apprendre à intervenir en amont, c'est-à-dire avec les agences de communication, pour leur dire, ben voilà, moi, je vais porter un regard sur la façon dont votre client va utiliser le document. C'est quelque chose qui m'est spécifique à moi, et je peux vous aider là-dessus. Et si on le prend en charge en amont, ensemble avec le client, on va pouvoir être plus efficace. Et donc, avec notamment une agence de communication qui s'appelle Banque Communication, on a mis en place en fait des systèmes dans lesquels on intervient tous les deux auprès de ses clients. C'est-à-dire que je suis capable d'anticiper ou d'imaginer des dispositifs spécifiques pour le client en coopération avec l'agence de com. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est arrivé assez vite, c'est que mon atelier de production sait produire un certain nombre de documents, donc notamment tout ce qui est imprimable sur du papier, des cartes de visite, des catalogues, des flyers. Mais en fait, il y a plein d'autres sujets que mes clients avaient en me disant, mais par exemple, eh bien, moi, j'imprime beaucoup de panneaux que je mets dehors. Est-ce qu'on pourrait aussi travailler sur la réduction des gâchis sur ces produits-là, des produits que finalement moi j'imprime pas. C'était assez difficile au début, mais j'ai trouvé finalement des partenaires imprimeurs avec qui on a appris en fait à travailler et avec qui j'arrive à traiter cette problématique, la problématique du gâchis ou de la performance d'impression. Avec qui on a appris à travailler. Et donc, moi, je leur ai donné des astuces de production. Et puis eux ont réussi à s'adapter à la façon dont on vend.
Donc voilà, on a notamment, pour donner un petit exemple qui est intéressant, que j'espère vous verrez un jour, on a créé un jeu qui s'appelle le jeu de l'EFC. Il y a tout, donc avec un modèle économique forcément spécifique. Il y a toute une partie qui est imprimée chez moi, mais la boîte et le plateau de jeu, en fait, sont imprimés en coopération avec un autre imprimeur que j'ai local, mais que j'ai formé en fait. Je lui ai donné des méthodes de production, des méthodes d'organisation, des méthodes de facturation. Pour qu'ils en fait ils puissent répondre aux clients, enfin à ce projet-là avec moi. Et depuis, on a déjà fait 4 autres jeux. Voilà. Il faut que tu allumes ton micro. Et je vais laisser quand même la place à Madame Amanda et je reviens après. Agora, eu tenho um montão de outras questões, vou deixar para a Amanda, e a Amanda tem algumas questões também para colocar. Obrigada, Chico. Obrigada, Julian. Está sendo um aprendizado enorme. Eu vou fazer em português, depois eu falo em francês. Bem, Julian, você comentou agora bastante sobre cooperação, né? Você comentou até sobre formação, que vocês precisam, questão das agências de comunicação, precisaram até formar. Estão numa construção de ecossistema cooperativo, né, na formação até de outras agências, de outras gráficas aí, que vocês formaram em métodos de produção, em métodos de faturamento, e eu ouvi uma entrevista, né, assisti uma entrevista que você deu no Atemis, em que você fala muito sobre cooperação, e você faz uma citação que eu achei muito interessante, que o trabalho do dirigente é criar cooperação, o trabalho do gerente é pilotar a cooperação, e o trabalho do comercial é vender as condições de cooperação. Então, eu acho que seria interessante, né? A gente sabe que o que está em jogo, de fato, na economia da funcionalidade da cooperação é essa transformação no relacionamento, né? Tendo a base da cooperação para a construção desse ecossistema cooperativo. Então, como definir o conceito de cooperação, tá? Donc, la question, j'ai vu interview que... Sur la FlexInc, et que tu dis sur la, que le dirigeant, il va créer la coopération, le manager va piloter la coopération, et le commercial va vendre la condition de coopération. Donc, comment définir le concept de coopération? Le concept de coopération, qu'est-ce qu'est la coopération? Et l'importance de la coopération pour le modèle économique de l'économie de la fonctionnalité de la coopération? C'est une vaste question. La coopération, je vais prendre, pour être clair, ce qui a changé, en fait, ce qui change entre la coopération et la sous-traitance. En fait, quand on travaille dans un mode traditionnel, on a chacun une tâche qui est bien définie. On sait où elle commence, on sait où elle termine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'agence de com fait son travail de son côté, elle s'arrête. Et ensuite, elle me transmet le dossier, je m'arrête, je livre au client ou à quelqu'un qui va faire, je ne sais pas moi, la livraison. Et donc, on est les uns derrière les autres à la chaîne. Quand on est en coopération, c'est dire, en fait, il y a des problématiques qu'on va prendre en charge avec le client. Et en fait, il y a des endroits où ça coince. Et ce n'est pas évident. Et donc, on a besoin de mobiliser la connaissance et les compétences de chacun pour aller au-delà de ce qu'on sait faire habituellement et pour construire, pour trouver des solutions avec le client. Donc déjà, la première chose qui change, c'est que on accepte de dire que le client a une partie des solutions, ce qui n'est pas toujours le cas dans un modèle traditionnel. Et on doit accepter une deuxième chose, c'est que la solution est souvent pas connue à l'avance. Simplement, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que si on se met à 3 ou à 4 ou à plusieurs personnes en amont, à travailler la problématique, on va certainement réussir à mobiliser chacun nos compétences et à trouver des solutions communes. Le problème, c'est que on n'a pas l'habitude de faire ça. Les clients n'ont pas l'habitude de le faire et nous, on n'a pas l'habitude. Souvent, on intervient plutôt comme un expert, c'est-à-dire, je suis la personne qui sait
Et du coup, je vais vous expliquer à vous, monsieur le client, comment va se passer le travail. Là, c'est complètement différent et ça demande toute une organisation. C'est quand je dis, bah, du coup, il faut quelqu'un qui soit garant que tout le monde coopère bien tout le temps. Il faut quelqu'un qui prenne en charge en disant, je suis responsable de la coopération dans le groupe. C'est de dire que chacun ait l'impression, enfin, que chacun puisse réellement travailler, que chacun puisse s'exprimer et que ces temps de travail en commun soit préparé et soit efficace. Et je ne sais pas si j'ai exactement répondu à la question, mais pour moi, c'est ça la coopération, c'est de dire, voilà ce qui a changé, en tout cas chez nous, dans la façon de travailler. Je vais quand même, avant de vous laisser répondre, je vais quand même rajouter quelque chose, c'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, il y a par exemple chez un client où on est allé dernièrement, on s'est rendu compte que quand j'ai répondu à l'appel d'offres et que j'ai posé des questions concernant l'usage du document, très très vite, le client est revenu sur des questions liées à la communication. Et donc il m'a dit, mais en fait moi je ne peux pas répondre, moi je m'occupe de l'impression, donc je ne peux pas répondre à tes questions. Si tu veux des réponses, tu as qu'à répondre à l'appel d'offres de communication. Déjà, j'ai découvert qu'à ce moment-là, il y en avait un. Et donc, j'ai répondu avec une agence de communication. À ce moment-là, on a posé des questions sur la communication, sur l'impression. On s'est rendu compte que le client n'était pas tout à fait sûr, en fait, finalement, de ce qu'il voulait commander. On lui en a fait part. Il nous a dit qu'il ne savait pas répondre à nos questions, finalement. Et donc, on lui a dit, mais est-ce que tu serais d'accord pour que l'agence de communication, l'imprimeur, et aussi, on a rajouté du coup une agence qui s'occupe des réseaux sociaux, une agence web. On lui a dit, est-ce que tu serais d'accord pour que nous trois plus toi, du coup, on prenne du temps pour réécrire ce dont tu as réellement besoin. On va te poser des questions, on va animer des ateliers de travail et on te fera une proposition stratégique. Ce travail-là, si tu es d'accord, on le prend en charge à trois et on le fait avec tes membres. Et dans ce cas-là, ça coûte un certain prix. Donc, ça a été facturé pour le coup 15 000 euros. C'était un travail de 3 mois avec pas mal de réunions. Mais voilà ce qui est réellement la coopération, c'est dire on prend une thématique. Là, chez ce client-là, c'était l'appropriation de la communication nationale sur les territoires locaux. Et ensuite, on la traite et on voit comment chaque compétence, enfin, chacun peut apporter quelque chose. J'espère que je t'ai répondu, Amanda. Chico, microfone. Esqueço sempre. Julian, eu queria saber, você colocou muito em evidência a cooperação com as agências, com quem está mais perto do cliente. Eu queria saber também para trás, com seus fornecedores, se houve alguma transformação. Julien, tu as mis en évidence la coopération avec les agences de communication, ceux qui sont plus proches du client. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui a changé par rapport à tes fournisseurs. Si aussi tu as eu des coopérations avec ceux qui sont avec les fournisseurs. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais répondre d'abord d'un point de vue de l'imprimerie, c'est-à-dire comment est-ce que l'imprimerie se comporte avec ses fournisseurs. Enfin, est-ce qu'il y a des cas typiques dans lesquels mes fournisseurs auraient changé ou m'auraient accompagné sur un certain point? Il se trouve que les fournisseurs de Flexing sont des grosses entreprises. Dedans, il y a le principal fournisseur, c'est Xerox. Le second, c'est Fujifilm. Le troisième, sont des grosses usines de papier. Et en fait, c'est très difficile pour moi de les faire changer, de les intéresser, puisqu'en fait, ils ont un modèle eux-mêmes économique basé que sur le volume. Et donc, ils ne voient pas en moi comment ils pourraient potentiellement augmenter leur marge. Là, il se trouve qu'avec les papetiers, on commence à arriver à quelque chose d'intéressant, puisque
ils se rendent compte que finalement, ils ont des services à nous rendre qui sont un peu différents de ce qu'ils peuvent faire ailleurs et qu'on est prêt à payer, notamment des systèmes de découverte de papier, d'organisation en fait un peu différente sur des livraisons, par exemple. On essaye, mais bon, tout ça, ça reste anecdotique. Donc, sur les achats de l'imprimerie, ça a été assez compliqué sur les gros postes. C'est-à-dire, quand je parle, les gros postes, c'est papier, encre et les machines. Je vais vous donner un exemple. Les fournisseurs de machines, ils sont extrêmement ravis de vous dire que la machine, elle imprime deux fois plus vite que celle d'avant et qu'elle imprime potentiellement un tout petit peu moins cher parce qu'on peut la faire tourner jour et nuit. Mais moi, quand je leur dis « ça ne m'intéresse pas d'avoir une machine qui imprime très, très vite », je veux qu'elle démarre très vite, par exemple, et qu'elle gâche le moins possible, puisque c'est ce sujet-là que je traite, ça ne leur parle pas du tout, en fait. Et donc, c'est très compliqué. Donc, c'est à moi de faire mes arbitrages, pour le coup, seul. Par contre, il y a d'autres fournisseurs, finalement. On en a tous. Et on se rend compte que ce qu'on appelle fournisseur, c'est celui à qui on achète de la matière. Ça, c'est en fait, c'est comme ça qu'on le voit dans le modèle traditionnel. En réalité, on a d'autres fournisseurs. On a des imprimeurs qui étaient avant nos concurrents ou nos sous-traitants qui deviennent en fait des fournisseurs. Ils nous fournissent pas plusieurs choses. C'est-à-dire qu'ils deviennent plus ou moins intégrés en fait, à notre production en disant qu'on va être capable avec ces imprimeurs-là de construire en fait des sortes d'ateliers qui seraient en coopération, c'est-à-dire que si moi j'ai à un moment donné trop de travail, une charge de travail trop importante, je peux m'appuyer par exemple sur un confrère. S'il y a des choses que je sais pas faire, bah je peux m'appuyer sur un confrère. Pour vous donner un exemple, j'imprime pas de masque chez Flexink, je sais pas le faire. Par contre, tous mes clients m'en demandent. Mais ils me demandent des masques avec le modèle de Flexink, c'est de dire ben on va essayer aussi d'en gâcher le moins possible, pas forcément de faire des masques papier. Donc ben on a mis des coopérations avec d'autres imprimeurs et des fournisseurs de masques pour pouvoir tenir la promesse de Flexink, le modèle économique de Flexink, mais en fait avec d'autres fournisseurs finalement. Et donc c'est des gens qui habituellement que j'aurais en fait moi dans un modèle traditionnel considéré comme des sous-traitants, finalement, ce sont eux mes vrais fournisseurs. C'est eux qu'ils deviennent. Très intéressant ces changements de concorrente para parceiro, para fornecedor. Amanda, você. Tá, tem uma outra questão aqui, que é sobre as mudanças de prática operacional, das práticas organizacionais, né? Você comentou agora bastante com a gente sobre essa questão da cooperação, das parcerias, né? Tanto com as agências de comunicação, com os clientes, com os fornecedores. Então, eu queria entender um pouco mais agora das práticas organizacionais, né? Ou seja, um pouco mais do inter, do micro, né? Ou seja, quais são as principais mudanças dentre essas práticas organizacionais a partir, por exemplo, da inserção da ergonomia, né? E de outras bases aí que a gente sabe que tem a economia da funcionalidade da cooperação. Donc, quels sont les principaux changements dans les pratiques organisationnelles ou opérationnelles depuis l'insertion d'ergonomie et d'autres bases de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de changements. Je vais d'abord parler des changements d'un point de vue de la production. Ça a été les premiers. En fait, c'est le plus gros changement qu'on a, le premier changement qu'on a fait. C'est pas forcément. En fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à se dire, ben voilà, on va proposer à nos clients d'imprimer moins, on s'est rendu compte que finalement, la façon classique d'organiser un atelier de production, ben, c'était plus du tout valable. C'est-à-dire que, en fait,
je vais être clair, sur un imprimeur traditionnel, il achète une machine, il a besoin d'avoir une capacité de production la plus importante et la plus linéaire. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, ma machine, je l'ai achetée, elle est dans mon atelier, il faut que je l'utilise le plus possible. Et donc, on va organiser la production de manière linéaire. C'est de dire, j'ai un poste le matin, un poste l'après-midi, un poste la nuit, et il faut que ça tourne tout le temps. C'est simple. C'est facile à comprendre, puisque du coup, on se dit, bah, plus ça tourne, bah, plus je rentabilise, et plus je rentabilise, plus vite j'arrive à ce qu'on appelle en industrie le point mort, et plus vite j'ai rentabilisé mes investissements. Et bien ça fonctionne pas du tout. Chez nous, ça fonctionne plus. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on avait peur, c'est de dire, on va vendre à nos clients de la capacité d'impression ou des crédits, c'est-à-dire la possibilité d'imprimer quand ils en ont besoin, s'ils en ont besoin. Ça veut dire que notre atelier doit toujours avoir au moins une machine à l'arrêt. C'est-à-dire que pour être capable de dire à un client, voilà, on va te l'imprimer tout de suite, puisque c'est dans la promesse. Et du coup, ce qu'on a imaginé, c'est pas non pas une production linéaire, mais une production en parallèle, c'est-à-dire des machines qui fonctionnent les unes à côté des autres, en disant il faut toujours être capable d'assumer un certain volume d'impression, mais on doit toujours être en léger surcharge, en légère surcapacité d'impression finalement. Et donc on a imaginé un système dans lequel en fait on est d'abord automatisé tout un nombre de tâches, celles qui sont, on va dire, un peu inutiles pour nous, c'est-à-dire la réception de la commande, le traitement du fichier, enfin, il y a un nombre de tâches qu'on a imaginées. On a du coup organisé des petites capacités de production, mais en parallèle, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup, on a plusieurs machines qui fonctionnent les unes à côté des autres. Il y en a toujours une qui est éteinte. Et puis, enfin, soit qui est éteinte, soit qui va s'éteindre dans les 2 heures. Il y a la règle, c'est de dire à nos clients, on peut imprimer pour vous dans les 2 heures. Et ensuite, on va avoir des modes d'organisation pour ce qui est d'atteindre de la qualité d'impression qui sont complètement différentes. C'est-à-dire comment je peux dire ça ? Par exemple, pour les réglages de couleurs. En fait, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est dans une imprimerie traditionnelle, on prend un job et en fait, on va gâcher un certain nombre de feuilles, je ne sais pas, peut-être 100 feuilles, jusqu'à atteindre la bonne couleur. Dès qu'on a atteint la bonne couleur, donc 100, 200, 300 feuilles, on peut lancer le job. Chez nous, en fait, comme on vend des petites quantités, il faut que la première feuille soit bonne. Et donc, on s'est organisé pour dire, voilà, il y a des règles de production où, en fait, on a des pré-calibrations, c'est-à-dire que la machine, elle doit être prête à faire n'importe quel type de travail à n'importe quel moment. Et donc, on a des répartitions. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais on a fait ça. Ça, c'est la première modification forte qu'on a fait, c'est un atelier adapté en fait à notre promesse. C'était pas très compliqué, c'est-à-dire que toutes les solutions techniques existent sur le marché, et donc il a simplement fallu s'adresser à des gens qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler pour des imprimeurs, notamment quand il fallait parler d'automatisation. C'était un peu compliqué de trouver des personnes, mais on les a trouvées. Et ensuite, il y a toute l'organisation interne qui a pour le coup complètement changé, c'est-à-dire que il y a encore une fois des changements profonds qu'on a été obligé de prendre en charge. Par exemple, vous avez une habitude qui est dans les modèles traditionnels qui est admise, c'est que c'est le commercial qui connaît le client. D'accord ? C'est-à-dire que c'est lui qui est en contact avec le client et c'est lui qui est responsable de la relation client. Le problème, c'est que dans un mode traditionnel, c'est assez simple. Le commercial, il fait la relation client avant la production. Ensuite, on passe en production. Et donc, à ce moment-là, le commercial, il a un petit travail de suivi, mais généralement, il est pas trop. Voilà, il s'intéresse pas trop à ce qui se passe dans l'atelier. Et ensuite, quand il y a la livraison, le paiement, le commercial reprend la main et puis tout va bien. C'est toujours le commercial qui appelle le client. Le problème quand on est dans le mode économie de la fonctionnalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas un moment où il y a une vente qui se fait. C'est-à-dire, c'est toujours un peu flou quand on est dans un projet. Le client, il a toujours un contact avec l'imprimerie
parce qu'il appelle pour dire, peut-être je voudrais imprimer ça, ou peut-être je me demande si je vais pas avoir besoin de ça très vite, est-ce que vous allez être capable de le faire, ou en fait il y a beaucoup d'informations en fait que le conducteur de machine a, ou alors la secrétaire a. Il y a des choses, je vais vous dire, ça peut paraître bête, hein, mais si jamais moi en tant que commercial, je vais voir un client et je lui dis on va faire en sorte que on baisse, on se donne comme objectif, je sais pas, de baisser 45% ta production. Si jamais mon frère qui est à l'atelier reçoit une très grosse commande de ce client-là, il a une information que j'ai absolument besoin d'avoir. Elle lui semble peut-être pas importante, mais en fait, lui, il a beaucoup d'informations dans sa production, dans les contacts avec les clients, que j'ai besoin d'avoir pour pouvoir faire mon travail. Finalement, le client a aussi besoin de donner beaucoup d'informations pour que chacun puisse faire son travail. Et donc, finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas travailler en silo, pas comme on le faisait avant. Et donc, on a des points qui sont des moments d'échange, en fait, autour de ce qui va se passer dans la journée ou de ce qui s'est passé la veille. Et quasiment, alors, c'est soit tous les 24 heures, soit au moins deux fois par jour. Parce qu'en fait, on a besoin d'échanger sur tout ce qui est en train de vivre. Parce que toutes les informations qui passent ont de la valeur. Et donc, du coup, il faut réorganiser ces temps-là qui sont des temps d'échange. Parfois, quelqu'un qui est imprimeur, qui conduit une machine, c'est-à-dire quelqu'un qui produit, il ne comprend pas pourquoi il est convoqué, pourquoi il est invité à venir à une réunion commerciale. Pour lui, pour le coup, des fois, ça ne tombe pas sous le sens. Chez nous, c'est évident que si mon frère n'est pas là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avec les clients, je ne sais pas quelle relation il a, quel type de job il a envoyé. Sous quel délai, il y a tellement d'informations qu'on a été obligé de mettre ces temps-là d'échange assez importants. J'aime bien donner des exemples précis, je vais vous en donner un. On a fait un point ce matin, en disant, on a tel client à livrer, on en livre, donc on a enchaîné cet après-midi sur un autre client, sur une des deux machines. Mais à 11h, en fait, j'ai une agence de communication avec qui je travaille beaucoup qui me dit, Julien, je suis un petit peu en avance sur mon travail, mon client est content de mon travail, tu devais l'imprimer la semaine prochaine, mais finalement, il aimerait bien avoir les documents pour la porte ouverte qu'il a ce week-end. Et donc, il me dit, est-ce que tu crois que tu es capable d'imprimer là pour demain ? Et donc, moi, quand j'ai la question, je suis quand même obligé d'aller voir mon frère pour dire, écoute, est-ce que tu es OK pour qu'on rentre ce client-là, qu'on décale celui d'après. Est-ce que tu as le papier en stock? Est-ce que toi, c'est possible dans ton organisation, ce que tu avais prévu dans la journée, est-ce que c'est possible pour toi? Et en fait, on est tout le temps obligé d'échanger. On est tout le temps obligé d'échanger pour pouvoir satisfaire les clients. Et en fait, il se trouve qu'on a pris la commande sans souci. Le client, il sera même livré demain matin plutôt que demain soir. Et ça rentre très bien dans l'organisation. Mais c'est parce qu'il y a ces petits temps-là d'échange et de mise à jour, en fait, sans cesse, quoi. Bon, on arrive presque à la fin, mais j'ai encore une dernière question. Julien, en effet, ce n'est pas seulement une question. Mais tu as commencé à nous raconter la structure. Si j'ai bien compris, c'est toi, le commercial, et ton frère qui a la production. La question, c'est comment c'est la structure? Comment vous fonctionnez à ce moment? Et j'ai vu aussi que Flexsync a embauché quelqu'un qui était stagiaire pendant un certain temps. Mais ça veut dire que vous êtes en train de devenir un peu plus grand. Oui. Troisième, c'est la question le métier d'imprimerie,
passe por beaucoup de difficultés avec de nouvelles technologies et aussi dans toute la planète, hein, et aussi avec la pandémie, il est encore, c'est encore plus difficile. Alors, je voudrais savoir comment c'est le votre contexte actuel. Et je vais parler d'abord en portugais. Donc, nous estamos chegando no fim, são três, na verdade, é uma questão final composta de três partes. Primeiro, eu queria saber a estrutura da empresa dele, dado que ele contou aqui que o irmão dele cuida mais da produção, ele cuida mais do comercial, queria saber um pouco da estrutura da empresa. Segundo, eu sei que eles acabaram contratando uma nova pessoa agora, então, o que significa que eles estão, de uma certa forma, crescendo, apesar das dificuldades todas que o mercado das gráficas passa no momento atual, face às novas tecnologias digitais, etc., não só na França, como no Brasil, mas no mundo todo. E como é que eles estão enfrentando esse momento agora da pandemia? Voilà. Ça fait de belles questions. La première sur l'organisation, en fait, on a démarré effectivement à deux avec mon frère en se disant... Allô, voilà. Oui, c'est mieux là ? Voilà, ça va. Donc oui, sur l'organisation, on a démarré au départ à deux avec mon frère, avec en fait mon frère la responsabilité de toute la production et en fait moi du reste, c'est-à-dire la stratégie financière, le pilotage et la partie commerce. Ça a fonctionné pendant un temps. On est vite arrivé à une limite, notamment au niveau commercial, puisque en fait, on a des échanges avec les clients qui sont beaucoup plus récurrents que sur un modèle traditionnel. Et donc, j'avais besoin d'être beaucoup disponible. Et donc, très vite, on a pris... Amélie qui est venue en stage à l'imprimerie, qui a travaillé pendant 3 mois, que j'ai pas pu embaucher comme je le voulais, mais qui m'a dit, je lui ai dit, écoute, tu termines ton stage et puis dans 3 mois je te rembaucherai parce que là j'ai un peu de retard sur ma stratégie financière, ça marchait pas comme je voulais. Et elle m'a dit non, moi ce que je te propose c'est que je vais rester et puis bah si tu peux m'embaucher tu m'embauches. Et donc elle est restée parce que elle se plaisait bien, elle aimait bien ce qu'elle faisait, je pense qu'elle se trouvait utile certainement. Et donc elle est restée, donc on l'a embauchée il y a quelques mois maintenant, il y a au début de l'année. En fait son rôle à elle c'est d'accueillir toutes les questions des clients et d'être un peu en support. On travaille à deux beaucoup sur la relation client, c'est ce que j'appelle l'animation en fait, finalement l'animation des projets d'impression. Donc elle fait ça. Et puis j'avais embauché une deuxième personne juste avant la pandémie que j'ai pas pu garder en commerce puisque j'ai de moins en moins, enfin il y a de plus en plus de clients et donc j'ai besoin d'être épaulé en termes de dans la relation commerciale. Et donc j'avais embauché une deuxième personne que j'ai pas pu garder, mais on est en train du coup de redémarrer une discussion pour que il y ait un commercial, enfin quelqu'un qui prenne un peu plus la place commerciale chez Flexing d'ici un mois ou deux maximum. Il se peut que ce soit un de mes clients que je m'associe avec un de mes clients pour ça. Ensuite, donc voilà pour la partie organisationnelle. Sur la deuxième partie, sur l'avenir du métier d'imprimerie, c'est une belle question. Je crois sincèrement que le métier d'imprimeur tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire impression de gros volumes pour des gros clients, en faisant tourner des très très grosses machines, a vocation à disparaître. C'est-à-dire que les très gros clients vont continuer à imprimer, mais quand même moins de volume. Donc les plus grosses imprimeries vont mourir, de mon point de vue. Soit elles sont déjà mortes, soit elles vont mourir. Et puis finalement, il restera plus que, je pense, les imprimeurs en ligne qui vont être capables, en fait, par des effets de regroupement, de créer des volumes.
et puis de les produire là où c'est le moins cher. C'est-à-dire que on va trouver des Amazon, un peu les Amazon de l'imprimerie. Hein. Il y en a déjà plusieurs, mais il y a notamment Vistaprint qu'on peut citer, qui a racheté tous les imprimeurs, les plus gros imprimeurs européens. C'est un peu triste comme façon de travailler. Donc, je crois fortement que le papier en tant que tel a de l'avenir si on est capable de lui redonner du sens et de le faire de manière locale. Parce qu'en fait, les clients sont très, très contents d'avoir affaire à leur imprimeur. Ils sont jamais tout à fait prêts. C'est-à-dire que ils sont toujours contents de trouver quelqu'un qui est capable d'imprimer dans l'après-midi parce que du coup, ça rentre bien dans leur projet. Je crois que je crois beaucoup à des petites imprimeries, mais très présentes sur leur propre territoire. C'est-à-dire que même le développement de Flexink à terme n'a pas vocation à devenir un très gros atelier, mais plutôt à être essaimé dans les ateliers qui seraient déjà existants chez d'autres imprimeurs. Et du coup, s'il y a des imprimeurs brésiliens qui veulent essayer, ben, je volontiers. Je pense plutôt à ça. Je crois que ça peut être un des avenirs. Je crois que le papier aura toujours un peu d'avenir, qu'il faut juste adapter. Moi, je trouve que, bah, par exemple, imprimer un catalogue pour toute l'année, alors qu'on peut faire un site web, c'est un peu ridicule, comme on le faisait avant, des milliers de catalogues, ce serait un peu ridicule. Par contre, le papier, ça reste quand même un temps d'échange qui est un temps hors des écrans, et les temps hors des écrans deviennent précieux. Et je crois que si on arrive vraiment à créer ce lien-là avec les clients, le papier aura toujours du sens. Il faut juste le mettre au bon moment et de manière un petit peu plus, avec plus de parcimonie. Et pour la pandémie, je ne me souviens plus de la question, Francisco. Je sais qu'il y avait une partie sur la pandémie. Et... C'est les difficultés que vous avez eues avec la pandémie. Et une de ces difficultés, par exemple, au Brésil, c'est lié au financement des petites et moyennes structures. Parce que le financement va toujours pour les grands. A última question que estava lembrando a ele é sobre o financiamento, ou as dificuldades que ele teve na pandemia e o financiamento, normalmente, para as pequenas empresas, que normalmente foi difícil aqui, é difícil em todo lugar. Il y a deux sujets. Il y a une question pandémie et une question financement qui est intéressante. Je vais les séparer les deux. Pour ce qui est de la pandémie, comme tout industriel, à partir du moment où on a été confiné, en tout cas chez moi, les dépenses de communication sont arrêtées nettes. C'est-à-dire que on a eu 3 mois avec 0 chiffre d'affaires. Enfin, j'ai fait 800 euros, ou 0, c'est pareil. Et donc, ça a été très, très compliqué. On a du coup les frais fixes à assumer, assez importants, parce que l'atelier est quand même assez on a investi quand même beaucoup d'argent. Et donc, sur la pandémie, ça a été très difficile de faire financer ce dont on avait réellement besoin, puisque finalement, on n'est ni un très gros, donc on n'a pas non plus des milliers d'emplois, on ne représente pas des milliers d'emplois. Mais en fait, on avait quand même des charges fixes qu'on ne pouvait pas supporter sans commande. Donc, ça a été compliqué de se financer là-dessus, mais on a trouvé en France, finalement, par un dispositif local, on a réussi à être financé comme il fallait, même si la banque elle-même a refusé de financer. La deuxième chose sur la question du financement dans l'économie de la fonctionnalité, c'est quand même intéressant à soulever, c'est que, en fait, il faut être capable de comprendre que on a besoin de financer des expérimentations et du temps. Et on a forcément besoin, un peu comme dans l'innovation, de financer des choses sur lesquelles on n'est pas sûr du résultat ou alors sur lesquelles il y a un risque important. Et donc, si on n'essaye pas, on est sûr de ne pas y arriver. C'est tellement difficile de faire changer les habitudes qu'il faut garder en tête pour les entrepreneurs de se dire je dois absolument financer le temps long. Et c'est de se dire, je dois avoir une cagnotte, une sorte de, je ne sais pas, un budget sur lequel je prévois un peu plus de, toujours des difficultés qu'on n'aura pas imaginées avant. Et donc, j'encourage, enfin, pour nous, c'est ce qui a été le plus difficile à financer, c'est de trouver un partenaire qui soit capable de dire, mais ouais, ce qu'a déjà fait Flexink, ça a beaucoup de valeur, mais ça prend plus de temps.
Ou alors, ça prendra peut-être 10 ans, 15 ans, mais on est quand même d'accord pour tester avec eux, continuer à tester. Et donc, ça demande en fait des modes de financement qui sont adaptés, puisque un banquier n'est pas très à l'aise quand on lui parle de financer un dispositif chez un client. Sur le coup, il ne comprend pas toujours. Et donc, c'est un sujet qu'il faut travailler assez vite. Mais il y a plein de solutions, qui existent. Ton micro. Ok, Julien, c'est très intéressant de penser l'économie de la fonctionnalité de la coopération comme une vraie innovation et qui a besoin d'un financement, qui a besoin d'un temps pour. Parce qu'on ne sait pas tout en avance. C'est ça, c'est une aventure. Então, estou falando para ele que é interessante essa coisa do financiamento, se pensar na economia da funcionalidade da cooperação como inovação, como algo que precisa de um tempo de experimentação e que precisa de recursos e de um financiamento para tal. Eu vou agradecer e vou passar a palavra para a Amanda para encerrar a nossa entrevista com o Julien. Julien, merci. Je passe la parole à Amanda et on maintient en contact. J'aimerais bien dire un petit mot, juste parce que je ne l'ai pas dit, je ne veux pas partir sans l'avoir dit, c'est que... Para mim travou, para você travou. Também, vamos pedir para ele falar a última palavra que ele quer falar para encerrar. Fiquei curioso. Tá. Sendo dos próximos capítulos. Ele deve retornar, vamos esperar um pouquinho. Vou aproveitar, então, enquanto ele vai entrando, só para dizer para o pessoal que existe tem outros vídeos do Julien, inclusive tem um vídeo do Julien que a gente disponibilizou no site Clube FC Rio, para quem tiver interesse em ver outra entrevista dele. Então, tem lá no site, vocês podem acessar para entender um pouco mais. Te pedir, Denevo. Je voulais simplement dire que tout ce que vous avez entendu, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait beaucoup à l'intérieur du club économie de la fonctionnalité, le club Noé, l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité. C'est vraiment très, très important. C'est le lien entre les entreprises et les chercheurs qui, moi, m'a fait beaucoup progresser. Le fait que, je vais citer Romain, Sandro, s'intéresse particulièrement à quelques sujets. Ça a été vraiment d'une grande richesse. Et je ne crois pas qu'on puisse faire le chemin tout seul. Voilà, c'est ça que je voulais simplement dire. Seu microfone, Chico. Nossa, tá aberto. Agora merci deu. Beaucoup, Julien. J'espère que ce soit la première d'autres rencontres ici, peut-être, dans le club à Rio. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Eu vou também agradecer, muito obrigada, Juliana, foi um prazer enorme, é sempre uma aprendizagem enorme, né? A gente tem acompanhado o trabalho da FlexInc, aí, vendo os vídeos, né? As entrevistas que você tem dado no Atemis, no Instituto, no Interclube, e a gente aqui no Rio, né? A nossa missão é exatamente essa, é auxiliar os dirigentes nessa missão de mudança de modelo econômico, e sobretudo estudar a FC, trazer a FC, né, a partir de uma abordagem bem operacional, e eu acho que hoje ficou bem claro isso, né, você deu exemplos bem concretos, assim, tanto da estrutura, quanto das dificuldades, dos desafios, e dessa transição de modelo econômico. Donc, merci beaucoup, pour nous c'est un plaisir énorme de connaître beaucoup de FlexInc, continuer ce travail avec le club FC Rio et pour aider les dirigeants brésiliens
avec les questions, les défis et avec une approche très opérationnelle d'FC. Merci et c'est un plaisir. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, partagé. À bientôt. Obrigado, Renata. Nosso apoio técnico.